Donc ce changement culturel nous conduit naturellement à parler de culture avec Daniel Fouache, qui a fait justement le pont et la médiation entre le monde de l'éducation nationale et le monde de la culture à travers des grandes institutions comme l'Opéra de Paris, puis aujourd'hui le CNC, à travers deux programmes de transmission auprès des élèves de lycée, tu nous en diras un petit peu plus, qui est 10 mois d'école et d'opéra, donc entre l'opéra et des classes, et puis maintenant au CNC, les Enfants des Lumières. Donc je laisse la parole à Daniel Fouache. Alors bonjour à tous, je suis très honorée d'être devant vous. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à des propos aussi émouvants au début de ce colloque. Elena, je me sens toute petite, c'était d'une grande beauté et je crois que ça va tous nous porter vers le haut. Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas beaucoup de mérite, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai eu la chance dans ma vie, j'ai pas eu beaucoup de chance quand j'étais petite, en tant qu'adolescente, mais quand je suis rentrée au lycée, en internat, de la sixième à la terminale, j'ai eu une chance incroyable, j'ai eu des profs formidables. J'ai eu des profs qui m'ont initiée au cinéma dès la sixième, vous vous rendez compte, aller au ciné-club alors que l'établissement était officiellement très fermé, c'était un internat, on ne sortait pas. Et moi, je vais vous dire franchement, quand je suis allée au cinéma, ce n'était pas pour aller au cinéma, ça ne m'intéressait pas du tout. C'était pour voir les garçons. Je trouvais ça formidable de pouvoir sortir et de voir des garçons. Alors, c'est pour cette raison que les jeunes, il faut comprendre aussi qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller là où nous les envoyons, où nous les menons. Mais à un moment donné, eh bien, c'est ce qui m'est arrivé, il y a eu un déclic et j'ai eu un plaisir formidable à aller au ciné-club. J'allais aussi au théâtre, les profs nous ont beaucoup ouvert à la culture et aussi c'était une époque où on avait le plaisir de lire. Moi j'ai eu beaucoup de problèmes dans mon adolescence, comme beaucoup sans doute, et ce qui m'a sauvée, ce sont les livres. Parce que dans les livres, je rencontrais des situations qui ressemblaient aux miennes et je n'avais pas besoin de me répandre, je n'avais pas besoin de me sentir humiliée, de raconter mes histoires aux autres. Les livres me suffisaient amplement et c'était mes compagnons. Alors, je voulais aussi vous donner aussi un petit détail sur ma personnalité. En réalité, j'ai la foi en l'homme. Je crois en la perfectibilité de tous les individus, même ceux qui paraissent les moins fréquentables. Et en ce qui concerne les élèves, je peux vous dire que depuis plus de 40 ans, car j'ai été professeur, depuis plus de 40 ans, je sais que dans chaque jeune, et parmi les plus blessés de la vie, il y a une petite flamme. Il y a une petite flamme qui est sous le boisseau, quelquefois, qu'on ne perçoit pas du tout. Mais nous, adultes, notre devoir, c'est de la faire rejaillir. Alors, comment ? Eh bien, je vais vous dire, alors peut-être que vous allez me contredire, vous allez dire autre chose, mais je n'ai rien trouvé de mieux, et Elena l'a dit, et ça m'a fait un choc, que de s'approprier le patrimoine culturel, artistique et culturel. Et en France, nous avons une chance incroyable, nous avons un patrimoine inouï. Et je crois que l'art, peut-être, si je puis dire, c'est d'associer l'éducation nationale où nous avons
tous les jeunes qui sont dans des classes, des jeunes qui réussissent plus ou moins, d'autres qui ne réussissent pas du tout, d'autres qui sont fâchés, d'autres qui sont dans une situation d'anorexie scolaire très avancée, et d'autres qui sont dans une violence inouïe. Alors évidemment, que faire avec tout ça? Eh bien, cette association, Art, Culture, Éducation, je ne vais pas vous dire que ça produit des miracles, parce que ça n'existe pas, les miracles. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'angoisse, ce sont des nuits sans sommeil, ce sont des interrogations permanentes, et je vous dirais que le fait de venir devant vous et de vous parler de cela, eh bien, a fait que j'ai très mal dormi cette nuit aussi. Voilà, c'est le monde, ça fonctionne aussi comme ça, l'humanité, ça fonctionne comme ça. Alors, les élèves, enfin, mon combat depuis toujours, c'est de lutter contre les discriminations, sûrement, mais l'exclusion et les inégalités des chances. Les inégalités des chances et l'exclusion. Vous savez, tout est possible dans ce monde. Moi, je vais vous donner de l'espoir. Moi, je trouve que ce monde, il n'est pas si mal que ça. Vraiment, il faut voyager pour se rendre compte que, franchement, on a une chance formidable de vivre dans un pays formidable. Nous avons la liberté d'expression, c'est quand même très important, et nous pouvons avoir accès à des lieux extraordinaires. Voilà. Alors, je voulais revenir au problème de l'exclusion. Être exclu, vous savez, quelqu'un a dit que la plus grande forme d'exclusion, c'est d'être exclu du savoir. C'est-à-dire aussi penser que les lieux de culture, les lieux artistiques, culturels, ne sont pas pour vous. Moi, je vous dirais franchement que quand je suis rentrée à l'Opéra de Paris et que j'ai voulu mener avec Martine Kahn, qui était directeur du service culturel, un programme qui s'est appelé 10 mois d'école et d'opéra, j'allais dans les classes et les élèves étaient fous de rage, en disant l'opéra, c'est pour les vieux. L'opéra, c'est pour les bourges. Alors moi, je leur disais en plaisantant, et vous me situez où exactement? Alors j'avais peur d'être dans les deux cases. Je préférais qu'il n'y ait pas de réponse. Je me contentais des petits sourires à droite et à gauche. Et voilà. Et l'idée de ce programme, en fait, ça a été un défi incroyable qu'on a mené en 1991. De rassembler dans le lieu dit le plus élitiste de France les élèves qui en sont le plus éloignés. Il se trouvait que je connaissais l'Opéra de Paris depuis 10 ans déjà, et je savais qu'il y avait un petit truc pour pénétrer dans cette maison sans violence, car il eût été très violent d'emmener les élèves dans la salle de spectacle. Je pense que ça aurait été, dès le départ, ça aurait été quelque chose d'assez monstrueux. Et l'idée, ça a été de les faire rentrer par les coulisses de l'opéra, car les coulisses de l'opéra, l'Opéra de Paris vit en autarcie, Opéra Bastille, Opéra Garnier, et les coulisses, c'est en réalité 130 corps de métiers différents. Et l'idée, c'était de permettre aux élèves d'avoir un contact privilégié avec tous ces métiers, de rencontrer des personnes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et je peux vous dire que le fait de rencontrer ces métiers et ces personnes est un sentiment de valorisation extraordinaire pour les élèves. On ne peut pas avoir un verre d'eau? Non, il n'y a pas d'eau ici. Quand je parle et que je suis un peu stressée, j'ai besoin d'eau. Merci, Elena. Ben non, mais si j'ai pas de verre, je vais boire même la bouteille. Hein. Bon. Merci. Parce que tout à l'heure, si je continue, je vais plus pouvoir parler. Vous voyez. Aujourd'hui, nous le savons, oui, l'appropriation du patrimoine artistique et culturel constitue un levier incroyable pour permettre à tous et aux élèves en particulier d'accéder à la dignité, d'accéder à l'expression et d'accéder à la citoyenneté.
Et c'est ainsi que le programme 10 mois d'école et d'opéra est né. Voilà, tout le monde se mobilise pour que je puisse continuer de parler. Je vous en remercie. Merci. Avant, je pensais que les conférenciers ou les personnes qui intervenaient avaient toujours très soif. Non, pas du tout, c'est la salive qui disparaît quand on est stressé. Merci. Voilà, ça va beaucoup mieux déjà. Alors, vous savez, je vais reprendre une réflexion parce qu'il faut... il y a une personne pour laquelle j'avais une admiration et j'ai toujours une admiration parce qu'elle est éternelle. Elle est décédée malheureusement. C'est Jacqueline de Romilly que vous avez peut-être connue au moins par ses écrits ou par ce qu'elle disait. Et elle disait entre autres, le vide culturel est générateur de violence et conduit à la barbarie. Donc je crois qu'il est très important d'introduire de la culture dans l'éducation. Et ce que je constate et ce que je regrette, mais nous allons lutter contre cela, c'est que souvent, plus un élève est en difficulté, plus on a affaire aux classes qui ont perdu toute confiance, qui ne croient plus en rien, qui ne croient plus en l'avenir, eh bien on baisse la barre. Eh bien, je vais vous dire, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire que plus un élève est en difficulté, plus il est en situation d'échec scolaire. Souvent, l'échec scolaire, d'ailleurs, conforté par aussi par des orientations par l'échec. Vous savez, j'ai été prof de lycée professionnel, je sais ce que c'est. C'est-à-dire que les élèves dans ma classe, vous savez ce qu'ils me disaient ? Qu'ils étaient dans une classe poubelle. Oh, j'étais vexée, hein, parce que j'étais quand même le chef de la poubelle. Hein. J'étais vraiment, je me suis dit, waouh, encore une dévalorisation, je m'en prends plein la figure. Et en allant aussi dans un autre établissement où il y avait des classes, à l'époque on les appelait les CES. Les sections d'enseignement spécialisées, vous savez, les élèves qui n'ont pas réussi à l'an 6e. Eh bien, dans cet établissement, vous savez comment on les appelait ? On les appelait la section des enfants sauvages. Eh bien, je vais vous dire, avec des appellations comme ça, vous ne risquez pas de vous élever. Voilà. Alors, l'idée de ce programme, et y compris les enfants des Lumières, qui vont, parce que les enfants des Lumières, en fait, c'est la même philosophie que 10 mois d'école et d'opéra. Alors, pourquoi ça a existé ? Je vous le dis très rapidement, parce que je sais que mon temps est compté. Voilà. Le méchant, il est à ma gauche. C'est parce qu'un directeur de l'opéra, un directeur adjoint de l'opéra de Paris, est devenu le directeur général du Centre national du cinéma. Christophe Tardieu, en l'occurrence, qui travaille avec Frédéric Bredin, qui est la présidente du Centre national du cinéma. Et il m'a simplement demandé si j'acceptais, après 20 ans de, j'allais dire, bon et loyaux service à l'Opéra de Paris, c'est pas tout à fait ça, hein. Il m'a demandé si j'accepterais de monter un programme, comme je l'avais fait à l'Opéra avec le spectacle, etc., parce que les élèves, évidemment, participaient, construisaient des spectacles eux-mêmes, eh bien, de construire, de réaliser un programme, évidemment, mais avec le cinéma. Alors, je vais vous donner juste pour que vous vous y retrouviez, parce que je ne peux pas, c'est un peu plus compliqué. J'ai aussi, attendez, je termine la phrase initialement que j'avais dite tout à l'heure et qui n'a jamais été terminée, c'est-à-dire que plus les élèves sont en difficulté, plus il faut élever la barre, plus il faut leur offrir l'excellence. On ne peut pas relever un individu qui ne croit plus en rien si on le laisse dans la médiocrité. Donc c'est ça un petit peu le secret, si je puis dire, c'est permettre aux élèves d'avoir accès à l'excellence. Et une fois que cet élève a accès à l'excellence, je peux vous dire, et ça marche,
il faut être hyper exigeant. Et il ne faut rien lâcher. Rien lâcher, parce qu'on ne peut pas s'en sortir sans travail. Et la notion de travail, je sais que c'est très démodé, eh bien, moi, je vais la remettre à l'ordre du jour, la notion de travail. Et nous qui sommes tous là, nous savons que sans travail, on ne peut arriver à rien. Il faut avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir investir et orienter sa vie comme on le souhaite, et quelquefois c'est extrêmement difficile, il faut le reconnaître. Alors, je pense aussi que respecter un jeune, alors là, c'est, vous n'allez peut-être pas être d'accord, mais peut-être que oui, respecter un jeune, c'est ne pas aller dans le sens de son plaisir immédiat. Vous m'avez bien entendu. C'est lui ouvrir des portes qu'il n'a pas envie d'ouvrir, mais que nous, adultes, nous savons riches et épanouissantes pour lui. C'est-à-dire que dans ce programme, les Enfants des Lumières et comme le programme 10 mois d'école et d'opéra, on ne demande pas aux petits chérubins s'ils sont ce qu'ils veulent faire et si ça leur fait plaisir. Voilà. En revanche, on demande aux professeurs, puisque nous formons une équipe pédagogique, c'est très important que les professeurs travaillent ensemble en gardant leurs spécificités, mais établissent des ponts dans leur, entre leurs disciplines pour donner du sens aux apprentissages. Et pour revenir au cinéma, eh bien le cinéma est intégré pendant 2 ans. Alors vous allez dire, oh, comment fait-on ? Alors là, il va falloir que je revienne, hein, parce que c'est très compliqué, non pas tant que ça, mais c'est passionnant. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir, je vous invite au CNC si vous voulez venir, et je vous donnerai la suite de tout ça. Oui, alors, je ne sais plus ce que je disais. L'idée, donc... Je vais essayer de vous donner la spécificité du programme parce que sinon on ne va pas y arriver. Voilà. Alors, de toute façon, vous avez compris les Enfants des Lumières. Les Enfants des Lumières, d'abord, c'est en relation avec les Frères Lumière qui ont créé le cinéma en 1895. Enfin, je pense que c'est 1895. Et en relation aussi avec le 18e siècle, le siècle des Lumières. Vous savez, ces philosophes des Lumières qui ont lutté contre l'obscurantisme et qui ont divulgué dans l'Europe entière, en France et dans l'Europe entière, des idées de liberté, égalité, fraternité, et qui ont lutté contre les inégalités donc et contre le racisme. Et aussi, les enfants sont évidemment les héritiers des Frères Lumière et des philosophes du XVIIIe siècle. Alors, l'idée de ce programme... Oui, il faut que je finisse. Alors, je vais déposer tout ça. En ce qui concerne le cinéma, parce qu'il y a quelque chose de très important, bien sûr, les élèves viennent assister à des courts-métrages, pas seulement des courts-métrages, mais à des films que nous présentons, que nous... vous dites que je n'y suis pour personne. Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé une fois, alors je sais ce que c'est, voilà. Donc, ils viennent assister, les professeurs choisissent des films que nous essayons d'avoir, et nous les projetons au Centre National du Cinéma, parce qu'il est important que les élèves se déplacent. Hein, l'idée, c'est qu'ils se déplacent intellectuellement, mais qu'ils se déplacent également physiquement. Et ensuite, ce qui est très important dans ce programme, c'est que pendant 2 ans, ils vont réaliser un court-métrage sur les 2 années. Non, oui, d'accord.
Ils vont réaliser eux-mêmes un court-métrage et nous avons ouvert des ateliers avec des équipes de professionnels de très haut niveau qui sortent de la FEMIS. Vous savez, la FEMIS, c'est la plus grande école de cinéma qui existe, je dirais presque en Europe. C'est une référence absolue et ces élèves sont au contact permanent sur un an et demi avec des équipes de professionnels. Et là, je vais vous dire... C'est la transformation totale des élèves, un changement de regard, les élèves sur eux, parce qu'ils se sentent très valorisés, mais un changement de regard des professeurs sur les élèves, parce qu'ils découvrent des élèves qui ne s'expriment pas en cours, un peu apathiques, ils les découvrent extrêmement performants au contact de l'art cinématographique. Alors, et puis je termine. Bon, les résultats sont inouïs. Je vous avais apporté quelque chose pour vous le lire, mais je n'ai pas le temps. On en reparlera. C'est une lettre que j'ai reçue hier d'un professeur, mais j'en suis à la 15e lettre que je reçois parce que je suis en train de préparer en ce moment le prochain journal moteur qui sortira le 8 avril 2019, en même temps que seront projetés les 6 courts-métrages des élèves des Enfants des Lumières à la Cinémathèque française à 19h. Alors, je ne sais pas si vous avez retenu la date, mais les places seront très difficiles. Il y a presque 400 places à la Cinémathèque, mais c'est déjà un peu compliqué. Voilà. Et ce journal rassemble tous les travaux des élèves ainsi que les dessins. Alors, ce que je disais tout à l'heure, si vous allez mal, si vous n'êtes pas en forme et si vous êtes très déprimé, comme nous le sommes souvent et particulièrement en ce moment, eh bien, écoutez, lisez ce journal, il est à votre disposition. Je peux vous en envoyer aussi. Et franchement, ça donne de l'espoir. Vraiment, ça donne de l'espoir.